Les journées portes ouvertes, c'est l'occasion de découvrir l'envers du décor, les coulisses des entreprises et leurs métiers. Depuis 14 ans, les GPO permettent aux particuliers, étudiants et scolaires de se familiariser avec les PME et les sociétés plus importantes. Exemple à la Banque Populaire des Alpes, acteur incontournable du territoire. C'est compliqué une banque parce que c'est très conceptuel et beaucoup de gens ne connaissent pas le métier réel d'une banque. Et c'est justement grâce à ces portes ouvertes qu'on arrive à montrer un peu ce que c'est qu'une banque de l'intérieur. Et puis quelle est aussi l'utilité d'une banque, hein, parce qu'une banque c'est quand même une entreprise dont le métier c'est de rendre possible les projets. Au programme, visite, découverte, échange, plus de 120 acteurs économiques sont au rendez-vous. L'industrie en France, ça marche. Donc on veut le montrer, on veut aussi promouvoir nos métiers, puisqu'on est une entreprise qui recrute beaucoup. Et on a besoin de candidats, on a besoin de se montrer, se faire connaître pour aussi pouvoir attirer nos salariés de demain. Les gens ont besoin de cette transparence. Les gens ont besoin de venir découvrir et puis c'est notre job, quoi. Les journées portes ouvertes permettent aux jeunes notamment de rencontrer des professionnels et de s'immiscer dans la vie active. Alors moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit dans un hémicycle justement, ça nous permet de nous mettre dans la peau vraiment des personnes qui viennent ici en temps normal. Et à chaque place on avait la photo de la personne qui est assise à notre place normalement et on a eu son rôle aussi, donc c'est intéressant et ça nous a mis vraiment dans le sujet. Je pense que c'est bien, ça permet de sensibiliser les personnes aux banques, on découvre un peu comment ça fonctionne, comment ça marche. On a moins d'a priori sur le travail de banquier, sur on sait ce qu'ils font un petit peu de notre argent, de où ça va, à quoi ça sert, pourquoi ils font ça, c'est une bonne chose. Au cœur des JPO, un public curieux. Fréquentant les magasins bio en tant que client, c'était une bonne occasion de passer de l'autre côté et puis de voir un petit peu plus près comment ça fonctionne. Des fois on a l'occasion de visiter des entreprises qui font des objets, mais une entreprise qui crée une émission de télévision, c'est quelque chose de nouveau, disons d'inaccessible hors les journées JPO. Je suis amené à faire de la formation des entreprises, principalement dans les entreprises de l'industrie. Et donc c'est important, lorsque je vais voir des clients, de pouvoir rester au courant de quel est leur monde et puis pouvoir répondre le mieux possible à leurs questions. J'ai beaucoup entendu parler d'Enedis et j'étais intéressé de savoir un petit peu ce qu'il en ressortait derrière, quelle est un petit peu l'offre d'aujourd'hui et un peu son futur. Voilà. Les journées portes ouvertes accueillent plus de 6400 visiteurs chaque année.